Prenez une profonde inspiration. Et suivez ma voix. Désormais, vous êtes noir. Claudette Colvin est née en 1939. Elle est un pur produit de l'Alabama. Elle sait que vivre dans la ségrégation requiert de la prudence. Tête baissée, yeux baissés, ne pas fixer, ne pas répondre, jamais, debout, assis, assis, debout. Le mercredi de mars 1955, la jeune fille, qui n'a que 15 ans, monte dans le bus. Lorsque Claudette sort de sa valise, elle s'aperçoit qu'une femme blanche se tient debout face à elle et la fixe sans un mot. Hey nigga! Hey nigga! Get up! Get up! Move! Move! À présent, c'est comme si vous alliez dans le recoin le plus obscur. Vous êtes une femme? Donc, moins qu'un homme. Et vous êtes noir. Donc, moins que rien. Hier, dans un climat tendu, cinq femmes noires de Montgomery ont déposé plainte contre le maire William A. Gay. Mr. Clear, avez-vous vu Miss Colvin frapper les policiers? C'est-à-dire, comme l'a dit l'officier Ward... L'avez-vous vu, oui ou non? Dans la nuit du 1er au 2 décembre, elle imprime les tracts, appelant au boycott. Le grand jour est enfin arrivé. Les femmes ont pris le pouvoir. Et pluvieux. Tous attendent avec angoisse le passage du bus. Vous êtes cette adolescente noire dont on ne parle plus. Vous êtes Claudette Colvin. Tell knowledge to keep on the fight.